Bonjour à tous, je m'appelle Coralie Huchet, je suis l'animatrice du conseil municipal d'enfants et du conseil municipal jeunes de la ville de Volpénine. Et je suis très heureuse aujourd'hui de leur laisser la parole afin qu'ils vous présentent leur projet. Bonjour, je m'appelle Aurel, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école Gaston Dumont. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école Beuvé-Gantier. Bonjour, je m'appelle Riyad, je suis en CM1, j'ai 9 ans à l'école de Gaston Dumont. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 10 ans et je suis à l'école Gaston Dumont. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 9 ans, je suis en CM1 dans l'école Romain Rolland. Bonjour, je m'appelle Ilona Martin. Bonjour, je m'appelle Kenza, j'ai 9 ans et je suis en CM1 à l'école Romain Rolland. Bonjour, je m'appelle Luca, j'ai 9 ans, je suis dans l'école Gaston Dumont. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 9 ans et je suis en CM1 à l'école Romain Rolland. Bonjour, je m'appelle Guillaume Legrand, j'ai 10 ans et je suis à l'école Romain Rolland. Bonjour, je m'appelle Anakin Billon, j'ai 10 ans et je suis en CM2 à l'école Beuvé-Gantier. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 10 ans et je suis à l'école Romain Rolland. Bonjour, je m'appelle Ménel, j'ai 10 ans, je suis en CM1 à l'école Romain Rolland. Bonjour, je m'appelle Guy. Bonjour, le conseil municipal d'enfants vous souhaite une très bonne année. Mince. Cher Penny Vauxois, cette année, nous avons créé une commission solidarité dont le but est de récolter et d'envoyer des livres à Haïti afin que des écoles puissent mettre en place des bibliothèques. Nous sommes en relation avec une directrice d'école à Port-au-Prince, l'école Saint-Léonard. Nous espérons pouvoir correspondre avec les enfants de cette école. Afin de mener à bien notre projet, nous allons organiser une boum dont le prix d'entrée sera un livre. Pour récolter l'argent nécessaire au transport, nous récolterons des jouets dans nos écoles afin de les revendre lors d'un vide-grenier. Bonne année à tous. Bonjour, le conseil municipal d'enfants vous souhaite une très bonne année 2015. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre projet en faveur de la SPA. Nous souhaiterions participer à la fête du sport et profiter de cet événement pour récolter des dons. Nous participerons également à la préparation de la boum et si le prix d'entrée est un livre, la recette de la buvette, de la vente de gâteaux et de bonbons sera intégralement reversée à la SPA. Ouais. Bonjour tout le monde, l'occasion aussi pour moi de présenter mes meilleurs voeux à toute la population de Volpénil. Je m'appelle Hassan, je suis animateur au service jeunesse de Volpénil. J'interviens au collège avec ma collègue Coralie ici présente deux fois par semaine pour accompagner justement ces jeunes pour réaliser leurs projets dans le cadre du CMJ. Je vais passer la parole aux enfants qui vont se présenter et également présenter leurs projets respectifs. Bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis en classe de 4e au collège La Marochamp. Bonjour, je m'appelle Jeanne Kawa et je fais partie du CMJ du collège La Marochamp. Bonjour, je m'appelle Lucie Gourdon, je suis en 4e. Bonjour, je m'appelle Mina et je suis en 5e au collège La Marochamp. Bonjour, je m'appelle Aurélie et je suis en 4e au collège La Marochamp. Bonjour, je m'appelle Maëva Martin, je suis en 4e C au collège La Marochamp. Bonjour, je m'appelle Ludivine, j'ai 12 ans et je suis en 6e au collège La Marochamp. Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 11 ans et je suis en 6e au collège La Marochamp.
Bonjour, je m'appelle Dylan et je suis au collège Lamar Auchan. Bonjour, je m'appelle Ousgar Besken, je suis en 6e F dans le collège Lamar Auchan. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans et je suis au collège Lamar Auchan. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les représentants du CMJ, Conseil municipal de jeunes de Volpénil. Le CMJ se présente sous forme d'ateliers qui ont lieu 2 fois par semaine au sein du collège de notre commune. Ces ateliers nous permettent de mettre en place des projets et de les mener tout au long de l'année scolaire. Cette année, 2 projets ont été choisis. Aider financièrement l'association CIE, Centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles, et aider l'association La Maison de Tom Pouce. Je laisse la parole à Jeanne qui va vous présenter nos actions pour le CIE. Bonjour, nous souhaitons participer financièrement au dressage d'anciens guides d'aveugles. Pour cela, nous allons organiser 2 ventes devant le collège de bonbons, gâteaux et boissons. Nous serons également présents lors des soirées du service jeunesse. Et enfin, nous souhaiterions participer au vide-grenier afin d'y vendre des gâteaux, mais également des objets qui représenteront le CIE. Maintenant, je laisse la parole à Maëva et Aurélie qui vont vous présenter nos actions pour la maison de Tom Pouce. Maëva et moi-même sommes au CMJ depuis 3 ans. Nous allons vous présenter l'association La Maison de Tom Pouce. Cette association aide les femmes enceintes en grande difficulté du début jusqu'au terme de la grossesse. Elles sont accueillies dans de très belles maisons dans lesquelles la maison de Tom Pouce les aide à devenir mères et à se réinsérer dans la vie active. La maison de Tom Pouce accueille des femmes de tout âge qui ont des difficultés lors de leur grossesse. Par exemple, si elles n'ont plus de logement ou si elles sont seules ou pour d'autres raisons diverses. Elles ont droit à l'anonymat total et c'est pour cela que l'adresse des maisons de Tom Pouce ne sont pas données. Pour ce projet, nous ne sommes pas seulement sur des récoltes de fonds, mais aussi de matériel de périculture, de vêtements de bébés, etc. Pour ce faire, nous participerons à un tournoi de foot intercommunal qui aura lieu en juin, en proposant une buvette. Nos autres actions ne sont pas encore définies, il nous reste encore du travail. En attendant, tout le CMJ se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2015.